À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier. 10, rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo. Encore des nets honneurs occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la trauma team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica ? Eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Bienvenue pour le Flash Info. Vous aussi, vous aviez pas de courant hier? Quand la lumière s'est éteinte, moi je préparais le dîner. À vrai dire, je réchauffais un reste de burrito que j'avais retrouvé entre deux coussins du canapé. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. À ce qu'on dit, les micro-ondes détruisent tous les nutriments, mais elles tuent aussi les cafards, donc y a du pour et du contre. Bref, de quoi je parlais déjà? Ah oui, la panne de courant. Apparemment, il y a eu un court-circuit dans une centrale de Santo. Paraît que les navis tombaient du ciel à cause des IUM. D'après le NCPD, les dégâts du blackout sont estimés à 120 millions. Et le pire dans tout ça, je déteste les burritos froids. 120 millions d'édits? La vache! Et tout ça juste pour choper un type. T'as de sacrés coronets. C'est bien ça, non? Qui c'est? C'est V! Le voisin du dessus! Vous vous souvenez? On avait parlé bagnole! Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeur. Ouais. C'est pas le genre de truc qui s'oublie. Vous auriez vu votre tête! J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens. Vous voulez quoi? Vous pouvez pas vous laisser aller, Barry. Pas ici, pas à Night City. Vous êtes un flic. Ex-flic, ok. Mais vous devez rester fort. Si vous le faites pas, qui le fera? Attendez, deux secondes. On se connaît à peine, et vous, vous frappez à ma porte pour me parler de mes problèmes? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des problèmes? Vous me surveillez? Qui vous a dit de venir? Ok, d'accord. Vos amis m'ont demandé de passer vous voir, alors je me suis dit pourquoi pas. C'est un type bien. Même si il a des goûts de chiottes en matière de bagnole. C'est quoi ça? Vous voulez mon pied au cul? Vous savez remonter le moral aux gens, vous. Peut-être que ces deux cons s'inquiètent vraiment pour moi. Bon, allez, entrez. Même si ça changera pas grand-chose. On sait jamais. J'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi? Attendez, c'est à cause d'Andrew? Ils vous ont parlé de lui? C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat? À Petrova, à Mendez? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Mendez, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites, même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison? Peut-être que je suis faible, finalement. C'est vrai,
Il n'y a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien ressenti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci, V. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard. Ah, c'est toi. T'as parlé à Barry ? Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries. Nom de Dieu, Mendez ! On a discuté un peu. Il s'est calmé, mais il est au fond du trou. Et je crois qu'il a un problème avec Mendez. Quoi ? Pourquoi il m'a rien dit en face ? J'en sais rien. Allez lui demander. Tu m'étonnes que j'y vais. Il doit avoir terminé de faire sa diva si t'as parlé à toi. Le seul truc, c'est... Je sais pas si je dois lui casser la gueule ou lui payer une bière. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Intéressant. Je ne connais pas encore, mais ça va pas tarder. Dino. Occupe du centre-ville. V. Ouais, j'ai entendu parler de toi. T'es une star. Appelle-moi en cas de besoin. Et oublie pas, Dino connaît tout le monde. Ce sera où cette fois ? Une usine de recyclage ? Une station N-Cart déserte ? Il y a un marché dans la partie sud de Japantown, sur une passerelle au-dessus de la rue principale. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. Je suis déjà en chemin. Ne me fais pas attendre. Explode love. The cult hit musical.
C'est ton jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour. Vous avez quelque chose pour moi? Bon, comme je te l'ai dit, ce que tu as à vendre ne les intéresse pas. Pas du tout. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Ok. Je dois parler à qui, alors? Va à la chapelle sur Sloan, et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu, merci. Détecté. De quoi? Augmentation du volume de 33%. Nouvelles empreintes détectées. Qu'est-ce que... T'es quoi, bordel? Demande utilisateur, spécification, arme intelligente HJKE-11 avec IA intégrée, modèle expérimental. Non, skippy. Le mec à côté de la benne, c'est ton proprio? Vérification de la mémoire. Espace disponible, 100%. Fichier supprimé manuellement. Cause probable, vol. Propriétaire d'origine, aucune donnée. Solution proposée, aucune. J'en ai une, moi. Je te récupère. Traitement de la demande. Aucune objection trouvée. T'as encore toutes tes fonctions? Lancement d'un diagnostic système. Le test prendra environ 47 secondes. Bam bam bidam bam bam bidam. Qu'est-ce que tu fais là? Je rends l'attente plus agréable avec une mélodie apaisante. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Test terminé. Le programme Skippy version 0.01 alpha s'exécute normalement.
Ok. Alors, qu'est-ce que tu sais faire, à part me casser les oreilles? Fonctionnalité première, ciblage automatisé. En cas de menace critique contre l'utilisateur, capacité de tir autonome. Veuillez choisir l'un des deux modes d'exploitation. Premier mode, pacifiste ami des animaux. Je viserai les membres inférieurs de l'ennemi. Second mode, tueur sans pitié. Je viserai exclusivement la tête. Je vais prendre pacifiste ami des animaux. Réglage en cours. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Oh. Mode sélectionné, pacifiste ami des animaux. Amusez-vous bien à estropier vos ennemis. Est-ce que tu m'entends?
est active plusieurs minutes après une décapitation. Fonction tir automatique. Sautez sur place pour confirmer. Ils sont revenus, puis ils se sont envolés. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez nous toucher. Redémarrer. Moi. Le bouton. Détruire le noyau, père.
Sonore détecté. Message pour l'utilisateur. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Entendez notre appel! Réinitialisez. Tournez-le. Libérez-nous! Prêt. Provocation. Bouffe-moi ça. Avec l'autre, la majorité des meurtres sont commis par des hommes. Jamais admettre la vérité et les libérer. Tu crois pas qu'il sait ce qui est le mieux pour lui? C'est peut-être risqué. Il pourrait perdre gros. Mais en libérant ses parties, il pourrait aussi devenir plus qu'un simple majordome sur roue. Faut bien que je fasse quelque chose. Si tu veux pas les libérer, évite au moins de les effacer. Entre dans le code de Dell et fusionne-le avec ses rejetons. Je sais pas comment faire. Alors touche pas à ce putain de bouton. Détruis le noyau. Ravi de vous accueillir pour votre première expérience de la Main. Que puis-je faire pour vous? C'est moi, V. Ravi de vous rencontrer, V. Connaissez-vous les avantages de notre programme Excelsior? Tu te souviens pas de moi, c'est ça? Si, bien sûr, je sais qui vous êtes. D'après mes archives, vous êtes le sous-traitant qui a purgé mon système du virus. Bon travail, sous-traitant. Dommage. Allez, Johnny. Pas de repos pour les braves. Au revoir, Dell. Je crois qu'on va devoir repartir de zéro. J'ai autre chose pour vous. Je viens d'accéder à un registre détaillé de la mission que vous avez accomplie. Et t'as noté quoi là-dedans ? Suite aux dispositions prises par ma précédente version, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un véhicule de ma flotte. Ah. Merci. Montez. Je pense qu'il vous rendra bien des services.
peut-être avoir besoin de ton aide. Peut-être. Oh, ok. J'ai vraiment besoin de ton aide. On peut se voir ? Dis-moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Aldecaldos. Je vais tout expliquer. Les Aldecaldos ? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Écoute, c'est une longue histoire. Ramène-toi. Je t'attends. Salut V. Des ouvriers du bâtiment se sont mis en grève après avoir découvert leurs outils couverts de sang au petit matin. Leur chantier est sur un parking réputé pour être fréquenté par des gangs. Ces gangs sont peut-être responsables, mais je parierais plutôt sur un cyberpsycho. Si j'ai raison, débrouille-toi pour le neutraliser, et je m'occuperai du reste.
You